Can you hear me? I know I fucked up. It's clear, see, I'm 22, but I don't act like it clearly. And all this shit is a mirage. I'm just rapping for a cause. The life, the fame, the lights, the game. We break the laws, don't like to change. Wanna win you back, but I hate to lose. I know that you're the one, but it's hard to choose. Yo les riders et les rideuses, comment allez-vous? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, nouveau bolide à tester aujourd'hui sur la chaîne. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment sur la chaîne, mais si vous me suivez, vous savez que je suis bien actif sur ma chaîne principale. Je suis également pas mal actif sur Twitch et je suis aussi actif sur les réseaux sociaux, notamment pas mal sur TikTok en ce moment. Si vous voulez aller checker, rendez-vous dans la description, vous avez tous les liens pour venir me rejoindre. Là en ce moment, vous avez vu que les beaux jours arrivent, il y a le soleil et tout, il fait bon dehors, il fait beau. Et du coup, comme tous les ans, on va faire un petit peu plus de vidéos à l'extérieur. On va en profiter pour tester plein de petits bolides sur la chaîne. Du moins, on va essayer. Bon, également, au début de la vidéo, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui mettent des likes sur la vidéo, qui s'abonnent à la chaîne. Je souhaite bien entendu la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur la chaîne. C'est bien entendu grâce à vous si je peux recevoir des bolides à tester et vous les proposer en test sur la chaîne. Donc déjà, par avance, je vous remercie tous. On va refermer cette parenthèse puisqu'aujourd'hui, on est là pour parler de ce petit bolide, la Niu KQi3 Pro, c'est super dur à dire, mais je l'ai retenu. Donc Niu, c'est une marque qui font des trottinettes électriques, des scooters électriques. Alors autant les scooters, j'ai pas testé. Je connaissais pas non plus la marque pour les trottinettes électriques. Je l'ai découverte il y a pas longtemps. Ils m'ont proposé de tester la Niu. Ils m'ont proposé de tester la KQi3 Pro. Merde. Ils m'ont proposé de tester la KQi3 Pro. C'est super dur à dire, je vous assure. Et du coup, elle est là, toute de noir mat, vêtue, avec sa petite potence style doré. Franchement, elle est super classe. Elle a un look vachement futuriste. Elle a un look très sobre. Et franchement, je kiffe. Donc, comme d'hab, j'ai pris quelques notes sur mon téléphone portable pour vous parler de la trotte. Alors déjà, on va s'attaquer aux watts. C'est une trottinette qui fait 350 watts. Vitesse maximale de 25 km/h. Donc, vous avez un mode piéton, un mode normal et un mode sport. C'est du classique, mais efficace. Vous avez un contrôle par application. Et franchement, l'application, elle est super bien foutue. D'ailleurs, elle sera limite, je dis limite, mais en fait, elle sera obligatoire pour se servir de la trottinette. En tout cas, pour la débrider, pour passer au mode sport. Alors, quand je dis la débrider, attention, hein, je ne parle pas de la débrider au-delà de 25 km/h. Il faut savoir que la trottinette est certifiée pour rouler en Europe. En France, il n'y a pas de souci. Ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque vous allez monter dessus, elle va rouler maximum à 15 km/h avec une pêche très limite. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être vraiment pour de la petite balade. Et en fait, il va falloir télécharger l'application. Il va falloir l'appairer à la trottinette. Et une fois que vous allez appairer l'application à la trottinette, il va vous demander de faire 200 mètres avec la trottinette en mode normal, escargot. Et dès que vous allez avoir fait ces 200 mètres avec la trottinette, vous allez entendre un bip au compteur et vous pourrez passer automatiquement en mode sport, ce qui vous permettra de rouler à 25 km/h. Donc frein avant, arrière, à disque, c'est pas du hydraulique, mais franchement, ils sont très efficaces. Vous avez un grand deck en caoutchouc et franchement, ça c'est plutôt cool pour les salissures. Un coup d'éponge et ça partira direct. Un grand deck de 17 cm de large et 60 cm de long, donc franchement pas de souci pour poser ses deux pieds dessus. Les roues, c'est du 9,5 pouces, c'est des pneus à chambre à air, donc ça va être du 6,5 cm de large. Alors honnêtement, j'ai pas vérifié, mais ça c'est Niu qui le dit. Apparemment, elles vont être 30% plus larges que les trottinettes pour adultes, donc honnêtement, j'ai pas vérifié ces chiffres. Vous avez une lumière à l'arrière, une lumière à l'avant. La lumière à l'avant, parlons-en, franchement elle est top, elle est vraiment excellente, elle éclaire super bien comparée à la trottinette qu'on a essayé juste avant, pour pas citer d'autres marques. Mais vraiment, leur petite lumière à l'avant là, elle est vraiment super top et elle éclaire très bien. Là effectivement, on va être sur une lumière qui va vous permettre de rouler de nuit et voir carrément clair en face de vous, hein. C'est pas une lumière qui va simplement vous servir à être vu par les autres véhicules. Donc d'ailleurs, en parlant de cette lumière, elle va s'allumer automatiquement et donc obligatoirement, vous pourrez jamais l'éteindre en fait. Dès que vous allumez la trottinette, la lumière elle s'allume, mais pas complètement en fait, elle est pas en plein phare. Vous avez juste un halo lumineux qui s'allume autour du truc. Ça c'est juste histoire d'être visible. Normalement, c'est comme les motos en fait. Si vous voulez, de jour, vous êtes obligé d'allumer vos phares, que ce soit sur un scooter, une moto ou quoi. Normalement, c'est obligatoire, c'est dans le code de la route. Et bien, ils ont fait pareil avec la trottinette. Dès que vous l'allumez, vous avez automatiquement un halo lumineux qui va se mettre sur la lumière, sans pour autant passer en mode plafard, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, ça c'était pour le côté lumière. Côté sonnette,
Bon, du grand classique, hein, voilà. C'est pas du électrique, c'est du manuel. Bon, après, ça va faire suffisamment de bruit. Hein. Donc, bien entendu, une béquille qui va tenir la trottinette. Et franchement, elle est bien placée. Au niveau de la potence, je l'ai trouvé vraiment très bien sécurisé. Le système, il est franchement bien foutu. En fait, vous allez carrément avoir une double sécurité. Donc, ça, c'est cool. Donc, une première avec un petit loquet qui va venir se rabattre sur l'avant de la potence. Et la deuxième avec le loquet final qui va venir clipser tout ça. Et honnêtement, il n'y a pas un brin de jeu, les mecs. Ça ne bouge pas du tout. Donc rien à dire à ce niveau-là, c'est nickel. Vous allez avoir deux petits réflecteurs au niveau de la potence sur les côtés. Donc c'est pas des clignotants, hein, c'est simplement des réflecteurs. Vous allez en avoir un à l'avant également. Le compteur, très sobre, très classe. Et franchement, le compteur, c'est vraiment un point fort de cette trottinette. Je le trouve vraiment super classe. Il n'y a pas 15 000 détails au compteur. Mais en revanche, si vous prenez l'application, là, vous allez avoir 15 000 détails. Pour peu que vous ayez quelque chose pour maintenir votre téléphone sur la trottinette. Bon là, honnêtement, j'ai pas prévu quelque chose pour installer le téléphone. Hein, mais après, vous allumez l'application, vous le mettez dans votre poche et puis tac, à la fin du parcours, vous checkez combien vous avez fait de kilomètres, tout ça, tout ça. D'ailleurs, vous avez sur l'application, à la fin de votre parcours, si vous le souhaitez, un rapport de conduite détaillé, c'est-à-dire combien de kilomètres que vous avez fait, la pente, le degré, tout ça. Donc, ça va être vraiment super détaillé sur ce point-là. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, ça va être une trottinette qui va pouvoir venir se plier. Donc elle se plie vraiment très bien et elle tient super bien et elle n'est pas non plus si lourde que ça. Alors je vous dirai pas qu'elle fait 3 kilos, hein, mais elle fait plutôt 20 kilos en fait. C'est le poids de la trottinette. Et franchement, elle n'est pas non plus, ça va quoi, elle n'est pas lourde comparée à celle qu'on a présentée juste avant. Encore une fois, pour ne pas citer d'autres marques, de toute façon, vous connaissez les vidéos de la chaîne si vous les suivez. Pour la déplier, pas de souci, hop, tac, ça va venir comme ça. Vous remettez le clips et voilà, vous êtes sécurisé. Alors au niveau de la charge, on va être sur 6 heures pour qu'elle soit chargée au maximum. Donc c'est plutôt correct de ce point de vue là. Alors quelque chose dont je n'ai pas parlé, ça va être la charge maximum que peut soulever la trottinette. On va être sur 100 kg. Je suis désolé, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça s'entendra pas trop dans le micro. Alors pour l'accélération, ça va être un type quad, hein, avec une gâchette au pouce. Et quelque chose dont je n'ai pas parlé également, ça va être la récupération d'énergie avec le frein moteur. C'est-à-dire que si vous êtes lancé par exemple à pleine vitesse ou pas avec la trottinette, vous allez avoir une descente, vous laissez couler le moteur tranquillement sans accélérer et vous allez pouvoir récupérer de l'énergie. La batterie va pouvoir se recharger un petit peu sur chaque descente. Et bien écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal parlé de la trottinette. Et bien il va être temps d'aller tester ça sur le terrain. Allez, c'est parti, let's go. You at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck. Bon, c'est parti, let's go. Par contre, j'espère que le vent va pas trop s'entendre dans le micro. Je pense malheureusement que si. Voilà, je suis dans l'herbe, c'est pas son terrain de prédilection, hein. En plus, je roule à fond là-dedans. Mais bon, après, voilà, ça passe quand même, quoi. Large. Mais disons que ça va pas être une trottinette qui va être faite pour le tout-terrain. Hein. Ça, c'est clair. J'arrive à la fin du chemin et là, on va pouvoir faire un petit peu de route. Allez, on va partir un peu sur la droite. Bon, il y a pas mal de vent. Je suis désolé. Encore une fois, hein, j'espère vraiment que ça s'entendra pas trop dans le micro. Là, je suis en mode sport. Hein. Je me suis mis vraiment en mode à fond. Donc, vous voyez que ça roule à 25, des fois 26. Voilà, 24, 25, 26. En tout cas, ça y monte vachement vite. C'est là que tu vois que tu pourrais débrider la trottinette pour qu'elle roule plus vite. Bon, après, évidemment, il y a certainement moyen. Pour celle-ci, je ne sais pas comment on fait. Mais de toute façon, c'est pas le but. Je veux pas la débrider. Pour moi, elle roule suffisamment bien. Et donc, c'est là quand vous allez arriver, par exemple, dans des descentes comme ça. Hop, vous lâchez l'accélérateur. Et la trottinette reste en roue libre et va récupérer de l'énergie. Donc ça, c'est plutôt cool. La batterie va pouvoir se recharger comme ça dans les descentes. Donc c'est ce qui va vous permettre d'atteindre toujours un petit peu plus d'autonomie. Donc de ce point de vue-là, c'est pas mal. En tout cas, ça va. Elle prend vite fait les 25 km/h. Il y a une bonne pêche. Bon, on n'est pas non plus sur un monstre de puissance au niveau vitesse de pointe. Mais au niveau cacahuète, au niveau patate, ça marche plutôt bien. Ça marche fort, les mecs. Alors, je vous dis pas qu'on va tester l'autonomie entière de la trottinette, hein. Je compte pas partir faire 50 bornes, bon, surtout que je me décide à la tester le soir. Donc le soleil commence à se coucher. À mon avis, si je pars faire 50 bornes, je vais revenir de nuit. Il y a des chances. Bon, et puis je vous dis, en mode sport à fond, je pense pas qu'elle fera 50 bornes. Ça, c'est vraiment si vous roulez en mode éco, tranquille quoi. Bon, sinon, la trottinette, elle est super confort. Je veux dire, en même temps, les pneus de 10 pouces, ça aide. Alors, c'est pas du 10 pouces, c'est du 9,5 pouces. Bon, c'est la première fois que j'entends ça. Pour moi, c'était soit 8 pouces, soit 10 pouces.
Mais apparemment, il y a 9,5. Mais voilà, la trottinette est super confort. C'est super, c'est très maniable. Alors, c'est clair que son terrain, c'est vraiment la route, hein, les mecs. Hein. C'est pas les chemins de terre, les graviers et tout. C'est vraiment le bitume, quoi. C'est une trottinette urbaine. On part pas sur quelque chose de tout terrain. Même si, encore une fois, je vous le dis, c'est possible de rouler dans l'herbe avec, dans le gravier. Voilà, dans les chemins de terre, c'est toujours possible. C'est juste pas recommandé. La trottinette, elle n'est pas suspendue, vous avez aucune suspension. Les pneus ne sont clairement pas adaptés pour du tout-terrain. Voilà, là par exemple, on rentre un petit peu plus dans des chemins gravillonneux, on va dire. Bon, ça passe quand même, hein. Ça passe quand même. Bien sûr, il faudra toujours faire attention de ne pas crever. On est sur des pneus à chambre à air, hein, je vous le répète. On n'est pas sur des pneus pleins. Mais ça passe. Alors par contre, c'est clair que voilà, quand vous arrivez sur des routes déformées comme ça, ça sent que la trottinette, elle n'est pas suspendue du tout, quoi. Tu vois, ça va qu'il y a quand même un certain confort par rapport à la taille des pneus. C'est de la chambre à air, donc c'est clair que déjà, c'est vachement confort par rapport à des pneus pleins. Mais vous avez ce manque de suspension quand même, hein. Là, vous êtes dans des chemins comme ça, vous le sentez, quoi. Tu vois, tu sens que c'est clairement pas son terrain de prédilection. Tiens, là, on va partir pour tester. Voilà, c'est pour le test, hein. Mais dans les chemins de gravier. Et franchement, bah, ça passe bien, c'est nickel. Hein. Il n'y a pas de souci, ça passe crème. Alors par contre, les freins répondent vachement bien. Hein. Hop. Tiens, on va passer sur le petit pont. On va passer sur le petit pont juste ici. Hop, c'est y part. Oh, ça passe, hein. Par contre, ouais, par contre, ça secoue. Hein. Ça secoue grave. C'est là que tu te dis, il manque quand même une petite suspension. Et une petite paire de pneus tout-terrain. Ce serait pas mal. Eh bien, arrêt brutal, acte 2. Oui, la dernière fois, ça m'était arrivé parce qu'il n'y avait plus de batterie dans la GoPro pour finir la balade. Et cette fois-ci, les fichiers du reste de ma balade ont été corrompus. Pourquoi ? Je n'en sais absolument rien. Toujours est-il que j'avais prévu un petit peu plus de plans en run avec la trotte. J'avais prévu de discuter un petit peu plus de celle-ci en balade. Et ça s'est écourté malheureusement. Bon, c'est pas grave, rien de dramatique. On va faire la conclusion ici, ensemble, au bureau. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Niu Kaku i3 Pro? Ça y est, j'ai réussi à le dire en une fois. Franchement, très bonne trottinette, très bonne surprise. Alors, c'est une trottinette qui va monter maximum à 25 km/h. Hein. C'est pas les foudres de guerre qu'on a déjà testées. On va vraiment être sur une trotte pour faire de la balade chill, tranquille. Alors, cette fois-ci, on part pas du tout sur une trottinette tout terrain. On va pas pouvoir faire du off-road avec. Bon, vous avez vu que on peut sans souci aller dans des petits chemins gravillonneux, petits chemins de terre. Mais on va pas non plus trop rouler dans l'herbe, on va pas aller faire du cross avec et tout. Hein. Ça va vraiment être une trottinette exclusivement urbaine. En tout cas, si vous voulez pas l'abîmer. Au niveau du confort, maniabilité, excellent. Même si ça manque un gros point, c'est des suspensions tout de même. Bon, après, vous avez ces grands pneus de 9 pouces et demi à chambre à air qui viennent jauger un petit peu tout ça. Donc, ça peut quelque part compenser au confort du manque de suspension. Niveau autonomie, alors je n'ai pas été faire 50 bornes avec la trotte. En revanche, de ce que j'ai roulé et avec mes petits calculs, on aurait vraiment été pas loin des 50 km en autonomie. Encore une fois, vous savez que niveau autonomie, sur tout ce qui va être trottinette, vélo, bref, tout engin électrique, ça va vachement influer par rapport à votre poids, par rapport au degré de pente du terrain que vous allez prendre. Il est évident que si tu prends une descente d'un côté, il va y avoir une montée de l'autre. Hein. La terre n'est pas qu'une infinie pente descendante, sinon on roulerait tous en roue libre. Un gros plus, c'est cette application qui est vraiment ultra complète, ultra bien détaillée, ultra bien fichue. Vous avez vraiment la vitesse, la distance parcourue, le degré de pente, le type de terrain, l'altitude. Enfin, vous avez vraiment tout un tas d'informations. Un gros moins, bah, ça va être cette application ultra bien fichue, hein, parce qu'en fait, elle va être limite obligatoire. Hein. Sinon, vous n'avez rien de marqué à l'écran, hein, hormis la vitesse, c'est tout. Ainsi que l'usure de la batterie, qui sera beaucoup plus détaillée sur l'application. Il vous dit carrément combien de kilomètres il vous reste à faire et tout. Ça marche comme une jauge à essence. Bon, écoutez, en tout cas, pour 700 euros, on est dans les prix. On est dans un très bon rapport qualité-prix, personnellement, je trouve. Bien sûr, comme d'hab, si la trotte vous intéresse, vous savez que vous pouvez aller checker dans la description. Vous avez un lien. Je vous dégoterai un code promo.
qui durera, il me semble, une semaine. C'est à vérifier, je vous laisserai aller checker ça si ça vous intéresse. Il est évident que si vous regardez cette vidéo en 2023... Coucou à vous. Le code promo ne sera certainement plus d'actualité. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette présentation. Bien naturellement, il y en aura d'autres. Vu qu'en ce moment, il fait bien beau et tout, on va profiter pour tester des petits bolides dehors. En tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner. Et nous, on se dit rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao! Let me get a soul clap.